Bienvenue à votre émission, votre magazine Pouvoir Convaincre. Pour savoir d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui et que nous réserve l'avenir, Pouvoir Convaincre de ce soir va commencer par vous rappeler des événements. Des événements qui ont en même temps marqué et bouleversé l'histoire récente de la province chère au prophète Simon Kimbangu. Il s'agit des événements suivants. D'abord, l'affaire Mamimi qui a mis en cause le vice-gouverneur de la province du Congo central. Quelques temps après, il y a eu la suspension du gouverneur à Toumatouana par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ensuite, son intérim a été assuré par le ministre précédent, c'était Marcel Matumpa. La requête du procureur général près la Cour de cassation demandant l'autorisation à l'Assemblée provinciale des poursuites judiciaires contre le gouverneur à Toumatouana. Ensuite, il y a eu le rejet par l'Assemblée provinciale de cette requête justement du procureur général pour la Cour de cassation. À ce moment précis, la majorité des députés est proche du gouverneur. Il y a eu ensuite réhabilitation du gouverneur Atou. Quelques mois après, le 4 décembre 2019, la majorité bascule dans le camp opposé au gouverneur Atou et ses derniers est déchu dans un cafouillage à l'hôtel Bilolo après la suspension en catastrophe de la plénière au siège de l'Assemblée provinciale par le président Matusina. Malgré des offensives judiciaires et politiques du président Matusina, Atou Matouana est resté confortablement à son poste et chaque jour qui passait, il renforçait encore plus son pouvoir. Et même malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle contre lui, Atou Matouana est resté au pouvoir. À la rentrée parlementaire de septembre dernier, la majorité de l'Assemblée provinciale bascule en faveur du gouverneur. Réconforté par cette majorité, le gouverneur Atou contre-attaque. Après un coup de force, la nouvelle majorité casse la porte de la salle de plénière pour y tenir des plénières jusqu'à la déchéance du président Matusina et de son vice-président Lousolo. Ils sont remplacés après élection par le président Jean-Claude Ouvemba et le vice-président Nimi. Dans la foulée, le rapporteur Salambi invalidé et réhabilité. Aujourd'hui, le président Jean-Claude Ouvemba, le vice-président Nimi et le rapporteur Nsalambi occupent déjà leurs bureaux respectifs. Le président Ouvemba, qui a déjà la signature, représente l'Assemblée provinciale dans toutes les manifestations officielles à Matadi comme à Kinshasa. Des observateurs s'interrogent sur ce que sera la suite de ce feuilleton entaché d'irrégularités de part et d'autre. Pour répondre à cette préoccupation, nous recevons ce soir le président fédéral de l'UDPS Congo Central, M. Nkodia Mbete. Bonsoir, président. Bonsoir, messieurs les journalistes. Un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore et d'être invité de cette émission, pouvoir convaincre cette émission qui a fait la fierté de notre presse au niveau de la province du Congo central. Donc je suis très heureux aujourd'hui d'être encore en face d'un grand journaliste qui est Prince Nzao. Donc je crois que nous allons passer des bons moments pour convaincre la population du Congo central. Le plaisir est réellement partagé et j'espère bien, j'espère vraiment bien que vous allez convaincre la population. Avant de revenir sur la situation politique en province, nous allons d'abord commencer par les consultations du chef de l'État, qui se poursuivent avec comme objectif de créer une union sacrée de la nation. Alors, président, pensez-vous que le président Tshisekedi pourra obtenir la majorité nécessaire à l'Assemblée nationale pour lui permettre de travailler aisément? Merci beaucoup. Quand nous parlons des consultations, vous les dites bien, c'est pour la création d'une union sacrée pour la nation.
Donc, pour créer une union sacrée pour la nation, on n'a pas nécessairement besoin d'une majorité, mais on a besoin de tous les Congolais pour que nous puissions tous voir les choses dans les mêmes sens, que nous puissions tous marcher vers la même direction pour l'intérêt de la République. Donc chaque politicien, l'objectif est la majorité au sein de l'Assemblée, parce que nous savons qu'aujourd'hui, si le président lui-même, dans son message, a constaté qu'il est bloqué, c'est parce que justement c'est cette majorité qui le bloque. C'est pourquoi c'est vrai que le président Félix Tshisekedi manque la majorité au Parlement, mais en consultant en tant que père de la nation, nous avons besoin de tout le monde. Et il fallait revenir auprès du souverain primaire d'abord en informant la population qu'il y a un problème et qu'il fallait contacter toutes les forces politiques les plus représentatives de la nation et même les personnalités politiques qui ont une certaine pion sur la rue pour en fin de compte qu'on puisse former un gouvernement d'union nationale. Mais c'est au sein du FCC. Il n'y a pas question de débaucher. Le président était clair lors de son intervention. Nous avons dit ceci, le président a dit ceci. On va consulter, on va expliquer aux politiciens congolais que nous avons un problème. L'objectif, c'est de développer le pays. Il y a un certain blocage au niveau des institutions, mais cela ne signifie pas, si seulement il y avait un problème de blocage, il y a un problème de majorité, le président pouvait bien dissoudre le Parlement. Mais le président n'a pas dissous le Parlement, c'est-à-dire que nous avons encore confiance en tous les politiciens qui sont au Parlement, qui sont dans les autres institutions. L'objectif, c'est de mettre tout le monde d'accord autour du programme du chef de l'État. Le chef de l'État axe son programme sur les peuples d'abord. Le président de la République parle de l'état des droits. Alors si nous devons mettre en place l'état des droits, les gens qui doivent travailler avec le président de la République doivent réfléchir de la même façon que lui, doivent suivre sa vision. Or, avec les systèmes, dans la coalition, nous avons senti qu'il y avait beaucoup de divergences entre la vision du chef de l'État et la vision des partenaires qui sont venus nous accompagner. Et dans ce sens-là, on n'a pas, il ne faut pas toujours parler de la majorité que nous voulons. Mettre fin à cette coalition revient à dire, parce que jusque-là, le FCC a encore la majorité. Mais mettre fin à cette coalition revient à dire que nous basculons dans la cohabitation. Et là, ça sera encore pire pour le cash. Je ne pense pas que nous allons basculer dans la cohabitation, parce que d'abord, quand nous parlons du FCC, quand nous parlons du cash, d'abord, juridiquement, ces plateformes politiques n'existent pas. Alors, si nous voulons avoir une majorité, parce que le président consulte, moi, je vous dis très bien que nous ne cherchons pas nécessairement une majorité, mais nous voulons créer une union sacrée autour du président de la République. Mais s'il faut avoir une majorité, ce n'est pas autour du FCC cash qu'on va constituer la majorité. Le président de la République a la possibilité de nommer un informateur qui va peut-être dégager la majorité. Et au niveau de l'informateur qui peut être nommé à tout moment, oui, ça signifie que ce n'est pas le FCC qu'on va consulter. Le FCC n'existe pas juridiquement. Mais on va consulter les composantes ou les partis politiques qui sont dans les FCC. Et ces partis politiques sont libres de venir se faire consulter par le chef de l'État ou d'être consulté par l'informateur pour dégager une majorité. Mais le président de la République ne voudrait pas en arriver là. Parce que même nos amis du FCC sont invités par le président de la République pour que nous puissions. Parce que le président, quand il consulte, il est en train de conscientiser les politiciens congolais que nous devons aimer cette République, nous devons aimer ce pays, nous devons aimer notre peuple. Alors si nous devons aimer la population, aimer la RDC, nous devons travailler pour les intérêts de la République. Or, il se fait qu'avec les politiciens
qui sont là, ou nos partenaires de l'autre camp, c'est souvent leurs intérêts personnels qui priment. C'est souvent les intérêts de leur plateforme qui priment. Alors que c'est le peuple qui doit être mis en avant-plan. Et quand on ne marche pas, quand les partenaires ne comprennent pas que c'est le peuple d'abord, à ce moment-là, le président a le pouvoir de changer d'orientation. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire. Mais si nos partenaires peuvent revenir rapidement à la raison, ils se font consulter, nous travaillons pour l'intérêt de la République et les pays avancent. C'est tout ce que le président veut, il n'y a pas autre chose. Et si le FCC restait dans sa position et que le président Fatshi, Félix-Antoine Tshisekedi, après les consultations, n'arrive pas à avoir cette majorité, alors là, il va carrément aller dans le sens des quatre figures qu'il n'avait pas exclues. Et quelles sont ces quatre figures qui êtes de l'UDPS? Peut-être oui. Que là, vous voulez dire, vous les dites. Quelles sont ces quatre figures? Si jamais il y a toujours blocage, il a parlé de certains cas de figure. Il a dit qu'aucun cas de figure ne sera exclu. Voilà. Donc, comme c'est l'intérêt de la République, le président donne la chance à tout le monde. Vous voyez, le président Félix est très patient dans ses prises de décision. Il donne toujours la possibilité à nos politiciens de s'amender. Et s'il ne s'amende pas, il sera prêt à dissoudre l'Assemblée nationale? Je ne pense pas qu'on va en arriver là, parce qu'à la lire où vont les choses, les échos qui nous parviennent nous rassurent que beaucoup de politiciens comprennent que nous devons travailler pour... Vous arrivez à débaucher au sein de FCC. On ne va débaucher personne, mais il y a, comme quand vous suivez les gens qui se font consulter, ceux qui ont les soucis de la RDC. Ils se disent être des républicains. Ils se disent être des patriotes. Parce qu'on ne va pas débaucher dans le FCC, comme je ne cesse de vous le dire. Juridiquement, le FCC n'existe pas. Nous allons peut-être consulter les partis politiques qui sont dans le FCC. Et comme juridiquement, le FCC n'existe pas, même au niveau de la Cour constitutionnelle, on peut avoir un arrêt comme ça qui ne reconnaît pas juridiquement CASH, qui ne reconnaît pas juridiquement les FCC. Juridiquement, le FCC, mais la coalition que vous nous avez présentée, c'est la coalition FCC-CASH. C'est vous coalition, qui nous l'avez présentée. Oui, pour l'intérêt de la RDC. Pour l'intérêt de la RDC, nous avions accepté de travailler dans ces conditions-là. Mais quand les intérêts du peuple ne se retrouvent pas dans ce que nous faisons, malgré plusieurs avertissements qu'on a lancés à nos partenaires, nous comprenons que ces gens sont arrivés dans la coalition, pas pour travailler pour l'intérêt de la population, mais ils sont venus pour créer des blocages pour qu'en 2023, le président de la République n'ait pas un bilan à présenter devant la population. Alors devant de telles situations, nous pensons que nous sommes l'UDPS, nous avons lutté pour ces peuples, nous avons lutté pour l'état des droits, nous avons lutté pour la démocratie, mais quand les gens avec qui nous avons donné la chance, parce que la population, on doit vous assurer que la population n'était pas d'accord avec ces mariages. Alors, vous allez vous rendre compte qu'en 2017, comment les mobutistes avaient fui ces pays. Mais nous, en tant que démocrates, nous avons dit, malgré tout ce qui a eu comme dérapage de la part de des gens qui ont dirigé ces pays avant nous, nous ne voulons pas, nous, de notre côté, nous ne voulons pas sacrifier les gens. Nous voulons travailler avec tout le monde parce que de leur côté, il y a aussi des expériences qui peuvent être bénéfiques à la RDC. Oui, c'est bon, alors, c'est bon. Mais en avançant, oui. Nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de couacs. Ce sont des gens qui ne veulent pas s'amender. Ce sont des gens qui ne veulent pas travailler pour l'intérêt de la RDC. Et nous allons continuer à sacrifier tout un peuple à cause des caprices de quelques individus qui ont mal géré le pays par le passé. Aujourd'hui, le sénateur à vie, Joseph Kabila, a écrit, il l'a fait, je crois, le 22, c'était un jour même avant le message du chef de l'État,
à certains présidents qu'il appelle témoins de l'accord FCC-CACH en les mettant en garde sur ce qui peut arriver si cet accord n'était plus respecté. Et puis, il y a eu la déclaration de votre secrétaire général qui a embrasé les réseaux sociaux. Le secrétaire général Augustin Kabuya qui dit qu'il faudrait réouvrir les enquêtes pour poursuivre tous ceux qui sont auteurs des crimes. Donc, ceux qui sont les plus visés sont du FCC. Est-ce que, dans ce contexte-là, ne croyez-vous pas, comme le disent certains analystes politiques, que nous sommes aujourd'hui au bord d'un conflit armé au sein, plutôt dans la capitale même, à Kinshasa? On risque de vivre à Kinshasa un conflit armé. Parce qu'ils disent que le sénateur à vie donne l'impression de contrôler encore la situation et apparemment il peut encore inquiéter. Merci beaucoup. Moi je pense que aujourd'hui là, même en 2018 lorsqu'il y a eu élection, si les gens qui ont dirigé avant nous ont eu la vie sauve, c'est grâce à la bonté du président Félix. Parce que la population ne voulait plus de toutes ces personnes-là. Mais grâce au président Félix, nous tous, même nous de l'IDPS, nous n'étions pas d'accord. Mais grâce au président Félix, on a pardonné les gens. Mais quand on vous pardonne, il faut changer aussi les comportements. Mais les gens qu'on a voulu pardonner ne veulent pas changer les comportements. Et puis nous avons lutté pour l'état des droits. L'état des droits ne marche pas ensemble avec l'impunité. Donc, même après une année, deux ans, trois ans, même après 10 ans, toutes les personnes qui ont commis des crimes dans ces pays, ils devaient les savoir que tôt ou tard, la justice allait les rattraper. Donc moi, je ne pense pas que nous qui avons lutté pour l'état des droits, aujourd'hui, nous allons laisser les gens qui ont pillé ces pays, les gens qui ont massacré des Congolais, et ils restent comme ça. Certaines sources disent que l'impunité. Ces gens-là sont protégés par l'accord que vous avez signé, l'accord FCC-CACH. Et ces gens-là devaient rester dans l'impunité comme ça pendant plus... Non. Donc, il fallait à un certain moment revenir. Soit à un certain moment, il fallait... D'abord, le président de la République faisait quoi? Il était en train d'asseoir les instruments juridiques. Parce que quand il est arrivé au pouvoir, la justice, vous savez, fonctionnait dans quelles conditions. Donc il fallait résoudre, il fallait arranger les problèmes de la justice, donner à la justice tout son pouvoir, et après, commencer à suivre les gens qui ont commis des infractions dans ces pays. Donc à la première année du pouvoir, ce n'était pas quand même, c'était trop pressé que le président se mette... À traduire en justice les gens qui ont commis des infractions. Il fallait commencer par réorganiser la justice. Et c'est ce qui est fait maintenant. Donc, les conditions sont réunies pour que les gens qui ont commis des bêtises ou qui ont pillé ces pays par le passé puissent être traduits devant la justice. Quand vous parlez des problèmes à Kinshasa, moi je ne pense pas qu'on peut avoir des problèmes à Kinshasa. Parce que déjà, il y aura un conflit armé à Kinshasa. Il n'y en aura pas. Parce que si ces gens... s'hazarde à suivre ce chemin-là. Vous savez comment les anciens mobutistes ont fini. En 97, soit en 98, lorsque les autres, les Rwandais, ont essayé de marcher sur Kinshasa. Vous savez comment la population avait réagi. Donc, si nos amis sont sages, nos partenaires, s'ils sont sages, ils doivent comprendre que les temps ont changé. Nous ne sommes plus à l'époque de l'AFDL, nous ne sommes plus à l'époque passée du pouvoir de Joseph Kabila. Maintenant, c'est le président Félix qui a imprimé la démocratie et l'état des droits. Alors, si les gens veulent marcher à contre-courant de la volonté de la population, vous savez, moi, nous, dans l'IDPS, nous disons toujours, il n'y a aucune personne ou aucune armée au monde n'est plus forte qu'une bombe atomique. Donc, le peuple est plus fort
qui est plus fort qu'une bombe atomique. Donc, si le peuple est dans la rue, si le peuple vous conteste, c'est fini, vous allez partir. Donc, même nos amis là, que le peuple a contesté, que le peuple ne veut plus voir depuis plusieurs années, mais grâce à la bonté du président, ils sont encore là. Alors, si aujourd'hui, ils reviennent... grâce aux accords aussi. Ils reviennent, ils sont là grâce à la bonté du président de la République. Aux accords aussi. Mais si ils pensent qu'ils peuvent oser provoquer la population, mais la population sera toujours là, et la population est toujours prête à répondre coup sur coup à toutes les provocations des gens qui ne veulent pas que les choses marchent dans ce pays. La population souffre. Alors nous sommes venus pour résoudre les problèmes de la population. Donc quiconque se mettrait sur le chemin pour barrer, contrecarrer le bien-être de la population, avant que l'IDPS, avant que le président de la République ne puisse s'occuper de ces personnes-là, la population elle-même va prendre les devants pour résoudre les problèmes. Et c'est ce qui va se passer si, tel que vous dites là, un conflit armé à Kinshasa, parce que les gens ne comprennent pas que les temps ont changé, la population elle-même va prendre les devants. Et c'est pourquoi je vous entends parler des déclarations incendiées du président. Et le secrétaire général a dit la vérité. C'est-à-dire, même s'il y a accord, même si on vous pardonne, mais ne vous comportez pas quand même traité avec cette arrogance-là. Ne croyez pas que quand on vous pardonne, donc tout vous est permis. Donc, on vous pardonne, nous le disons très bien, mais changez de comportement. Et si vous pensez qu'il faut continuer à piller le pays, si vous pensez qu'il faut continuer à mettre des entraves à la démocratie, à la justice, là, ça ne marche pas avec nous. Parce qu'en 2023, c'est le président Félix qui sera comptable devant la population. C'est le bilan du président Félix qui sait. La population va demander des comptes au président Félix. Donc, elles sont là, même s'il y a accord, comme vous le dites là. D'accord, il y a eu accord, mais il faut respecter cet accord-là. Mais on dit aujourd'hui que c'est le président qui ne respecte pas. Mais depuis que l'accord, depuis que nous appliquons cet accord-là, vous suivez la situation politique de notre pays. Ce sont nos partenaires du FCC qui mettent les bâtons dans les roues du président de la République. Quand le président essaye d'avancer, chaque fois, ils sont là pour empêcher le président de bien faire les travaux. Vous avez vu même quand il a nommé les magistrats au niveau du FCC, ils en ont fait un problème. Oui, ils ont dit qu'il y a eu violation de la Constitution. Alors, connaissez la Constitution, vous pouvez lire la Constitution. Ils disent qu'il y a eu violation de la Constitution. À quel niveau? Violation de la Constitution. On n'a pas violé la Constitution. À quel niveau? Dans la procédure de désignation des juges. Il n'y avait plus un président constitutionnel. Le président titulaire n'était plus là. Il fallait les remplacer. Oui. C'est ce que le président a fait. Oui. Au niveau de l'armée. Il devait être remplacé, il a été remplacé. Il a été remplacé. Là, il n'y avait pas de problème. Mais les deux autres qui ont été nommés, ils disent que c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Ils ont été remplacés. Ça, c'est dans les pouvoirs du président de la République de nommer. Justement, pourquoi ils disent qu'il y a eu violation? Non. C'est-à-dire, ils parlent de la violation, peut-être de leur accord. Parce que selon eux, pour que le président nomme à ce niveau-là, il fallait qu'il se mette autour d'une table avec M. Joseph Kabila pour se distribuer les postes, même au niveau de la magistrature. Or, la magistrature doit rester indépendante. Il n'y a pas de magistrat cash, il n'y a pas de magistrat FCC. Ce sont des magistrats de la République. Mais quand elle continue à penser que même au niveau de la magistrature, quand il faut nommer des magistrats, il faut passer par un partage de 30 ou 50%. Non. Ce n'est pas seulement à ce niveau-là. Au niveau de l'armée également. Il n'y a que le président qui devait être remplacé. Les autres, leur mandat courait encore. D'après la Constitution, ils devaient attendre encore 3 ans. Mais ils n'ont pas été remplacés, si vous suivez très bien. Ils ont seulement été permittés. C'est cette permutation qui n'a pas plu à nos partenaires du FCC. La plupart des gens qui étaient là, ils disent que cette permutation dont vous parlez n'a pas respecté la Constitution. Mais quand parce que pour faire ces permutations là-haut, pour nommer les gens là-bas, même le conseil supérieur de la magistrature était contacté, était d'accord avec les permutations, était d'accord avec les nominations qui avaient été faites. À quel niveau se trouve la violation? Bon, ce sont nos partenaires qui... C'est justement ce conflit-là autour de la nomination qui a fait que le jour de la prestation de serment, que cette prestation de serment soit boycottée d'abord par le Premier ministre, ensuite par la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, les députés et sénateurs du FCC et même les ministres
du FCC. C'est ce qui a fait que le président de la République annonce le message. Entre nous soit dit, nous sommes le jour de la prestation de serment. Je crois un jour après, on nous annonce le message du chef de l'État. Ce jour-là, vous, quand il y a eu cette annonce, après ce qui s'est passé au Palais du Peuple, vous vous attendiez à quoi, en âme et conscience? Dites-moi la vérité, à quoi vous vous attendiez que le chef de l'État pouvait prononcer comme discours ce jour-là? En d'autres termes, qu'est-ce que les combattants de l'UDPS attendaient ce jour-là, dans ce message-là? Est-ce que c'était ce message qui nous a présenté ou autre chose? Oui, merci beaucoup. D'abord, quand vous dites que les jours de la prestation des serments des magistrats nommés à la Cour constitutionnelle, les premiers ministres, les présidents du Sénat, les présidents de l'Assemblée nationale et les autres ministres étaient absents. Alors, vous voyez, quand on devient ministre, par exemple, on travaille pour la République, on travaille plus pour sa composante politique. Mais nos partenaires confondent les choses. Vous êtes ministre, au lieu de répondre de vos exigences de ministre, vous continuez à suivre les mots d'ordre de votre composante. C'est à ce niveau-là que les choses ne marchent pas. C'est pourquoi le président a fait un discours, on a fait le constat que ce n'était pas ça, ce n'était pas la première fois. C'est la deuxième ou la troisième fois que nos partenaires du FCC se sont comportés de cette façon-là. Rappelez-vous même du ministre de la Justice qu'on avait limogé. C'était presque dans les mêmes conditions d'insolence et d'arrogance. Vous voyez les présidents du Parlement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, premier ministre, qui ne sont pas venus. Et même avant ça, les premiers ministres aussi avaient commis une telle erreur ou une telle faute administratif. Et on avait vu même un porte-parole du Premier ministre en train de vouloir répondre aux décisions du président. Alors, la troisième fois, il ne vient pas. C'était trop finalement. Le président devait recadrer les choses. C'est pourquoi le président a prononcé ces discours-là. À l'annonce du message, à quoi les combattants s'attendaient? Oui, le jour du message. C'est simple, je vous dis la vérité. Oui. Les combattants de l'IDPS n'ont jamais été d'accord avec les mariages cash FCC. Voilà. Les combattants... Ils s'attendaient à quoi? Ils n'aiment pas ces mariages-là. Donc si les combattants n'aiment pas ces mariages-là, moi y compris, il faut comprendre à quoi nous nous attendions ce jour-là. Mais pour dissoudre le Parlement, il y a quand même des préalables. En tant que président de la République, il ne peut pas venir dissoudre le Parlement quand les conditions ne sont pas réunies. Donc aujourd'hui, pour dissoudre le Parlement, et les conditions ne sont pas encore réunies. Et c'est pourquoi le président ne pouvait pas prendre cette décision de dissoudre le Parlement dans ces conditions-là. Mais aujourd'hui, tel que nous continuons à évoluer, s'il y a une crise persistante entre le Parlement et l'exécutif, on finira par en arriver là. Mais nous ne souhaitons pas qu'on en arrive là. Parce que le président de la République, et son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, donne toujours la chance à tout le monde de s'amender. Et parfois, ce sont les raisons qui ont fait que ce jour-là, le président ne puisse pas dissoudre le Parlement. Parce qu'il donne encore la chance aux gens. On vous conscientise par les consultations. Maintenant, on a lancé les consultations pour conscientiser les politiciens congolais. S'il y a des gens qui avaient peut-être oublié comment les choses fonctionnent, comment la République doit marcher, on consulte pour essayer de faire raisonner les gens. Et nous sommes sûrs qu'à la fin de ces consultations, les gens qu'on a fait raisonner vont revenir à la raison et nous allons marcher très bien sans qu'il y ait dissolution du Parlement. La République va continuer à fonctionner. Ça revient à dire s'il n'y aura pas dissolution de l'Assemblée nationale, c'est que ça revient à dire qu'il y aura une nouvelle majorité. C'est ce que ça veut dire. Nous avons parlé de l'union sacrée pour la nation. Oui, dans cette union sacrée pour la nation, toutes les tendances seront représentées. Les gens, les partis politiques qui sont dans les FCC vont se retrouver. Les partis politiques qui se retrouvent dans les caches vont avoir leur place dans ces gouvernements. Et même les gens de l'AMUKA vont se retrouver, et même les personnalités qui ont une certaine... La société civile, les églises. Donc c'est un gouvernement de large union nationale qui dépasse même
le contexte politique. Donc nous irons au-delà de la politique. On va travailler même avec la société civile, avec les églises, donc avec tout le monde. C'est tous les pays qui sont concernés dans cette affaire de consultation ou de l'union sacrée pour la nation. C'est pourquoi quand on voit les présidents consulter, ils consultent toutes les couches. Oui. Même les musiciens, les comédiens, les religieux, les politiciens, et les organisations des droits de l'homme, de tout le monde est consulté. Oui, UDP, Sinkodia. Parlons maintenant de l'UDPS Congo Central. Pensez-vous que l'UDPS Congo Central aujourd'hui est suffisamment organisé pour affronter les élections de 2023? Merci beaucoup. Mais là, ça vous concerne directement. Je comprends. C'est une très bonne question. Mais l'UDPS, depuis toujours, n'a jamais eu peur des élections. Même à l'époque du maréchal Mobutu, rappelez-vous, nous étions toujours prêts à aller aux élections. Même à l'époque de Mzee Laurent Désiré Kabila, nous étions toujours prêts à aller aux élections. En 2006, nous étions prêts. En 2011, prêts. En 2018, toujours prêts. Mais c'est seulement cette fois-ci, en 2023, nous partirons aux élections avec l'assurance qu'il n'y aura pas de tricage, il n'y aura pas de fraude, il n'y aura pas de tricherie. Parce que toutes les autres fois, si nous avons eu des problèmes, c'est à cause de la tricherie, c'est à cause de la fraude électorale. Mais cette fois-ci, avec le président Félix, il n'y aura pas de la fraude électorale. Alors pourquoi nous devons avoir peur des élections? Pourquoi ne pas être prêts? Même aujourd'hui, s'il faut aller aux élections, l'IDP est toujours prête. De ce côté-là, vous pouvez compter sur nous. Mais le président travaille pour que cette fois-ci, les élections soient libres, démocratiques et transparentes. Je vous assure que l'UDPS va les emporter à tous les niveaux. Mais certaines tendances au sein de l'UDPS disent que le président Fatshi commence à créer des sortes de satellites autour de l'UDPS et certaines personnes craignent qu'il ait plus confiance, par exemple, au RDT, je crois, hein, le Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Et ça risque peut-être de créer un ombrage contre l'UDPS. Il y a ceux de l'UDPS qui craignent. Qu'est-ce que vous en dites? Non, nous ne craignons rien. Mais vous voyez, nous sommes l'UDPS. Mais nous ne sommes pas égoïstes aussi. Nous avons besoin de tout le monde. Quand les partis politiques se créent pour venir nous soutenir, mais c'est très bon pour nous. Toutes ces partis politiques qui naissent aujourd'hui, qui soutiennent l'UDPS. Mais nous sommes d'accord avec eux. Nous irons aux élections. Mais je sais que nous c'est depuis plus de 38 ans que nous fonctionnons. Donc, un parti politique bien implanté depuis 82 par rapport aux partis politiques qui viennent nous soutenir, qui naissent aujourd'hui. Je ne vois pas comment nous devons avoir des inquiétudes par rapport à ces partis politiques-là. Ce sont nos alliés qui font le travail pour l'intérêt du président de la République. Ce sont des partis politiques. Si nous pouvons peut-être annoncer l'UDPS, ne pas avoir la majorité parlementaire, ces partis politiques qui naissent là vont nous aider en faisant la sommation avec les députés qu'ils vont avoir. Nous aurons la majorité. Donc ce n'est pas mauvais. L'UDPS n'a jamais eu peur, n'a jamais eu père des partis politiques qui soutiennent l'IDPS, RDT ou tout, comme les autres partis politiques. C'est bon, c'est ça la démocratie. Vous allez vous rendre compte que même en 90, lorsque le président Mobutu avait démocratisé le pays, lorsque le président Mobutu avait lancé le multipartisme, il s'était arrêté à 3 partis politiques. Mais c'est nous, l'IDPS, qui avons demandé qu'il fallait un multipartisme intégral. Et si aujourd'hui, que nous sommes au pouvoir, il y a des partis politiques qui viennent nous soutenir. Mais c'est comme ça. Nous avons lutté pour cette démocratie-là, qui est que les gens soient libres de créer leurs partis politiques, les gens soient libres d'exprimer leurs opinions. Si il y a des partis politiques qui se créent, qui sont avec nous, mais c'est bon. Voilà. Revenons en province, revenons ici, au Congo central, UDPS Nkodia Mbete. Quel est le point de vue de l'UDPS par rapport à la situation de crise qu'a connue l'exécutif et l'Assemblée provinciale qui vient d'aboutir aujourd'hui à la déchéance du président Matusila et l'élection du président Jean-Claude Vouema? Bon, si nous devons parler de cette crise, d'abord, en politique, il
faut pas être toujours rigide. Nous en avons l'expérience, nous l'IDPS. Il y avait possibilité de trouver intérêt d'entente dans cette affaire. Mais quand, de part et d'autre, il y a eu des gens qui se sont qui ont excellé par la rigidité, les conséquences, sont là. Aujourd'hui, c'est le président Jean-Claude Mvuemba qui est à la tête de l'Assemblée provinciale. Le président Madoussila est parti. La politique, c'est pas comme la médecine. Hein? Quand vous consultez quelqu'un, il a la malaria, vous dites que pour soigner la malaria, il faut donner la quinine. Quelqu'un a, la tuberculose, il faut chercher un antibiotique pour le soigner. Mais en politique, on peut soigner la malaria en donnant des antibiotiques. Il faut savoir faire. C'est vraiment différent. Président Matoussila est arrivé à la tête de l'Assemblée provinciale de quelle manière? Il avait, par quelle magie? Il devait comprendre cela. Il était arrivé à la tête de l'Assemblée provinciale par quelle magie? Il avait combien de députés pour que lui soit élu président de l'Assemblée provinciale? Il n'avait que deux députés à Bakou. Et tous les autres députés qui avaient voté pour lui étaient venus d'où? En se radicalisant, il oubliait que les autres députés qui avaient voté pour lui avaient aussi leur autorité morale qui pouvait à tout moment changer les mots d'ordre. Et c'est ça tous les problèmes. Parce qu'au début, moi je sais, au début, il y avait des alliances ou des accords entre le président Matoussila et le gouverneur Atou, que nous allons voter pour vous à la tête de l'Assemblée provinciale. Et en contrepartie, et après vous aussi, vous allez voter pour moi à la tête de la province. C'était ça. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a des députés, mais il passe quand même président. Alors, il fallait continuer dans cette ambiance-là. Il fallait maintenir cette allure-là. Mais à un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Les gens ont crié que c'était fini et qu'on pouvait faire de n'importe quoi. Et nous, à notre niveau, nous avons donné beaucoup de conseils à Nombouta, qu'il ne fallait pas trop se radicaliser. Il y avait la possibilité de se retrouver autour d'une table. Nous avons parlé de dialogue à un moment donné. Et que la crise avait atteint un niveau inquiétant. Il fallait à un certain moment se mettre autour d'une table pour dialoguer et résoudre les problèmes. Parce qu'en tant que Bakongo, souvent, quand vous rentrez dans l'histoire de Bakongo, c'est sous l'arbre à palabre que nos ancêtres avaient l'habitude de résoudre certains problèmes, certains conflits. Donc même nous, aujourd'hui, c'est l'état moderne, mais nous pouvons nous inspirer aussi des expériences de nos ancêtres pour résoudre certains problèmes qui se posent. Alors, la solution était qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on se dise toute la vérité, parce que les problèmes du Congo central n'ont pas commencé par l'affaire de l'Assemblée provinciale ou par l'affaire Maman Mimi. C'est depuis 60 que nous avons des petits problèmes qui, notre hypocrisie a fait que beaucoup de choses qu'on pouvait bien résoudre ou régler avant, comme souvent le Congo est hypocrite, même quand il a un problème, il les garde pour lui-même. Surtout quand il s'agit d'une affaire qui engage la morale, connaissant les valeurs morales. C'est pourquoi tout est parti de cette affaire Mimi. Justement, j'en profite. C'est pourquoi il fallait qu'on se retrouve autour d'une table. Il fallait autour d'une table pour les résoudre. J'en profite justement pour parler de cette affaire Mimi. Aujourd'hui, plus d'une année, plusieurs mois après, avec beaucoup de recul, quelle lecture pouvez-vous faire de cette affaire Mimi qui nous a amené tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui? Retard dans le développement de la province, parce que les autres provinces avancent. Mais nous, c'est un problème, c'est une affaire qui nous a beaucoup distrait. Et aujourd'hui, nous essayons de nous ressaisir, mais le retard est déjà là. C'est pourquoi il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Et comme vous dites, je vous ai suivi, dire aussi que les gens qui sont, il y a un nouveau bureau au niveau de l'Assemblée provinciale, les gouverneurs Atou est toujours là, il y en a qui sont partis, qui ont perdu leur poste, mais la solution, même après tout ce qui s'est passé, on peut toujours se mettre autour d'une table pour
résoudre les problèmes de Bakongo. Alors, l'affaire Maman Mimi, c'est vrai. Qu'est-ce que nous faisons comme lecture? Nous, les Nekongo, en tout cas, ce n'est pas dans notre culture. C'est pour la première fois depuis que le Congo central existe que nous avions vécu un tel événement, très malheureux pour nous. Mais cela ne signifie pas que nous devons brûler la province. Heureusement que nous sommes encore de Bakongo, nous avons la culture de la paix, Ngemba. Alors profitons de notre, de nos coutumes, de nos habitudes, qui sont de très bonnes habitudes. Et sauvons la province, ce qui est passé, ce qui est arrivé, mais c'est à nous. Et les hommes, quand il y a un problème, c'est à nous, c'est notre capacité à résoudre les problèmes qui font, qui fera que nous sommes des gens sages ou nous sommes des gens non sages. Mais pour aujourd'hui là, c'est possible de tourner la page de cette affaire qui nous a donné du retard inutilement. Parce que moi, j'ai dit toujours, je me souviens même à l'époque, aux États-Unis, une vieille démocratie, le président Bill Clinton avait connu une situation très difficile avec l'affaire Monica. Lewinsky. Oui. Il devait être même démis de ses fonctions. On avait demandé au président de démissionner ou soit il allait être destitué. C'est les États-Unis. Une vieille démocratie. Là, on respecte les principes démocratiques. Mais ils ne sont pas allés jusqu'à destituer le président Bill Clinton. La sagesse avait prévalu aux États-Unis. Alors pourquoi au Congo central, nous qui sommes encore une très jeune démocratie, nous sommes en train d'essayer, nous ne voulons pas utiliser la sagesse qu'il faut à tout moment, les gens veulent des solutions brutales qui ne vont pas résoudre les problèmes. Parce qu'à ce moment-là, la crise, on peut résoudre superficiellement les problèmes, mais avec des conséquences dans les futurs. Alors que nous pouvons nous mettre autour d'une table, on utilise la sagesse Congo et c'est fini. Nous avançons. Oui, malgré toutes les élucubrations judiciaires, politiques qu'a mené le président Matusila pour arriver à démettre le gouverneur Atou, rien n'a marché. Et une certaine opinion pense que, surtout avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, tout dernier arrêt, une certaine opinion pense qu'il n'y avait que le chef de l'État qui pouvait trancher sur le problème au Congo central. Et il n'a jamais rien dit. Et cette opinion estime que le chef de l'État soutient le gouverneur Atou. Vous qui êtes de l'UDPS, qu'est-ce que vous en pensez? Le président de la République soutient la stabilité des institutions. Qu'est-ce qu'on a compris? Vous voyez, avec nos politiciens qui, aujourd'hui, ils peuvent être avec vous parce que c'est l'argent qui compte pour ces politiciens. Beaucoup sont arrivés en politique pas pour travailler, mais pas pour travailler pour l'intérêt de la population. Mais ils sont venus en politique pour se faire de l'argent. Donc c'est un bon business que les Congolais ont découvert, qu'en politique, on peut se faire de l'argent. Alors, ils arrivent en politique avec cet esprit-là, et dans les assemblées provinciales, ça pose problème, pas seulement au Congo central. Je crois que vous avez suivi, beaucoup de gouverneurs des provinces viennent d'être réhabilités dans leurs provinces respectives. C'est toujours le même problème. Les députés provinciaux qui, le matin, sont avec vous parce que vous leur donnez quelque chose, à midi, si vous ne donnez plus rien, ils changent. Ils commencent à vous combattre, ils vont faire des motions pour vous faire partir. Et vous avez dit au début ici, nous avons vu ça même ici au début, non? Vous avez dit que j'ai suivi votre analyse au début de l'émission. Vous avez dit qu'au départ, la majorité s'est retrouvée, je ne sais pas, du côté de Mboutamad aussi, là. Ils sont allés jusqu'à Bilolo pour destituer le gouverneur. Mais à un moment donné, ce sont les mêmes députés. Elle a basculé. Cette majorité a basculé avec les mêmes personnes. Mm-hmm. Ce ne sont pas les nouveaux députés qui sont arrivés là-bas pour faire basculer la majorité. Ce sont les mêmes députés qui étaient du côté Matusila à un moment donné pour déchoir les gouverneurs Atou. Les mêmes députés, après un certain temps, ils changent de camp. Ils viennent du côté du gouverneur Atou pour faire partir le président Matusila. Donc vous voyez, nous avons des gens qui sont sans position.
Et avec déjà 100 positions comme ça, donc à tout moment, si vous cédez aux caprices de telles personnes, donc ils peuvent, en 5 ans, ils peuvent vous produire 1000 gouverneurs. Parce que le matin, vous donnez, à 12h, quand vous ne donnez pas, ils vous font partir. Alors ça, le président de la République a bien compris la mentalité de nos députés. C'est pourquoi il a dit, moi, président Félix Antoine Tshisekedi, je soutiens la stabilité des institutions. Parce que si on avait ouvert une brèche dans ce sens-là, c'est dans toutes les provinces qu'on allait faire partir les gouverneurs, et ça allait être la foire, ça allait être le cafouillage, oui, l'instabilité à tous les niveaux. C'est pourquoi le président de la République n'a pas cédé aux caprices des gens qui peuvent changer de position jour après jour. La même opinion, c'est bon avec cette opinion-là. La même opinion va plus loin. En disant que cette opinion qui est contre le gouverneur dit que le gouverneur serait même officieusement déjà membre de l'UDPS. Est-ce vrai? C'est pas vrai parce que pour être membre de l'UDPS, c'est nous qui les gouverneurs à tout habitent le Congo central. S'il doit devenir membre de l'UDPS, c'est auprès de nous qu'il doit venir prendre son adhésion. Tant qu'à notre niveau, nous avons posé la question au niveau de toutes les fédérations, ils n'ont jamais obtenu une adhésion quelconque du gouverneur Atou. Donc, il n'est jamais membre de l'UDPS. Donc, c'est comme ça, les gens, quand ils veulent salir, surtout quand on est à court d'arguments, on utilise toutes sortes de mensonges pour vouloir salir l'UDPS. Donc, jusque-là, il n'est pas membre de l'UDPS. Alors, nous revenons à cette affaire-là. Le président de la République, toujours le président de la République. Mais nous, l'UDPS, parce que vous dites que c'est le président de la République qui les soutient. Donc, quand on dit que c'est le président de la République qui soutient le gouverneur Atou, ça signifie que l'UDPS soutient le gouverneur Atou. Or, nous n'avons qu'un seul député à l'Assemblée provinciale. Comment nous qui avons un seul député, nous pouvons soutenir tout un gouverneur comme ça et puis il reste en fonction? Donc, le gouverneur est soutenu par les députés provinciaux qui sont là. Ils doivent apprendre à dire la vérité à la population. Ce sont les députés provinciaux et c'est eux qui soutiennent le gouverneur à tout. S'il est là, c'est grâce à l'Assemblée provinciale. Rappelez-vous, j'ai suivi votre analyse au début, qu'il y a eu même une requête de la Cour de cassation qui était venue ici. Et pourquoi les députés provinciaux à l'époque n'avaient pas saisi l'occasion pour faire avancer les choses? Ce sont les mêmes députés provinciaux qui avaient refusé de faire de livrer le gouverneur. Ils ont dit que non, à notre niveau, nous ne voulons pas, voilà. Le gouverneur est resté. Et aujourd'hui, qu'il est là, vous dites que c'est l'UDPS. C'est pas l'UDPS. C'est eux-mêmes. Et même à l'élection du gouverneur, à l'époque, nous avons un seul député. C'est toujours ces mêmes députés-là qui avaient voté pour le gouverneur à tout pour qu'il soit là. C'est pas l'UDPS. La requête est venue de la Cour de cassation. Ce sont les mêmes députés qui l'ont protégé. Et vous voulez que l'UDPS fasse quoi? Avec l'état de droit que nous prenons, avec l'état de droit, nous respectons les décisions de la justice. Quand la Cour de cassation a voulu suivre les dossiers, les députés ont dit non. C'est comme ça les institutions fonctionnent, comme ça le président de la République ne doit pas venir s'ingérer dans le fonctionnement de toutes les institutions comme ça. Là, sinon, ce n'est plus la démocratie. On va commencer à traiter le président de dictateur parce qu'il va commencer à mettre et à foutre son nez partout. Alors, il nous donne, en tant que démocrate, il nous donne la possibilité. Donc, quand vous avez une parcelle de pouvoir, vous devez savoir l'exercer. C'est ça, le président Félix. Il ne veut pas chaque fois venir donner des leçons, venir donner des désordres. Donc, à votre niveau, si on vous donne une parcelle de pouvoir, il faut bien utiliser les pouvoirs qu'on vous a donnés. Donc, quand vous êtes une assemblée provinciale, vous avez des prérogatives, vous avez des décisions, vous avez des pouvoirs. Alors, utilisez bien votre pouvoir pour faire marcher les choses. Oui, ne dites pas que c'est le président Félix. Kodia, maintenant que le président Jean-Claude Vuemba a pris le pouvoir à l'Assemblée provinciale, d'après vous, quel sera le sort de l'autre président, Matusila? Quel sort? Il reste député provincial. Il était élu député provincial, s'il n'est plus président de l'Assemblée. Mais il reste député provincial, où est le problème? Il n'a pas de sort là-bas, il est député provincial. Donc s'il a le courage de venir siéger à l'Assemblée provinciale, il va continuer à siéger, il ne va pas les chasser quand même. Je ne crois pas que, comme il n'est plus président, on va l'interdire de venir siéger comme député provincial. Il reste député provincial, à moins que lui-même... Il a encore continué avec des démarches en justice. C'est son droit. Pour protester contre... C'est son droit, nous sommes en train de faire asseoir l'état des droits.
On ne peut pas empêcher un citoyen congolais de saisir la justice. S'il a raison, la justice va lui donner raison. S'il n'a pas raison aussi, la justice va faire son travail. Donc là, ce n'est pas l'affaire de l'IDPS. Donc tout citoyen congolais a ces droits-là, lorsqu'il se sent lésé, de saisir les instances judiciaires. Et surtout qu'avec le président Félix, la magistrature vient d'être réorganisée. Donc il a toutes les chances que son dossier puisse aboutir dans les bons ou dans les mauvais sens. Ça dépend. Donc les droits vont être dits correctement pour donner raison à celui qui a raison et donner tort à celui qui a tort. Donc c'est une justice de complaisance. Donc c'est son droit. Moi, je l'encourage à faire toutes ces démarches-là jusqu'à la fin. Nous allons. Alors, attendons... UDPS Nkodiambeti, avec ce tableau, sur fond de crise de la province du Congo central, comment voyez-vous l'avenir de notre province? Bon, nous sommes le Congo. Vous avez dit au début, c'est la province de Simo Kimbangu. Moi, je vous suivais très bien quand vous. Vous faisiez votre analyse au début là, la province de Simo Kimbangu. La province de Simo Kimbangu a toutes ses chances d'aller de l'avant. Nous sommes optimistes et nous n'avons pas le droit de désespérer. Si les individus veulent que la province ne puisse pas marcher, mais vous dites bien que c'est la province de Simo Kimbangu. Moi, je sais que les choses vont marcher. Donc, nous continuons à avoir confiance en notre population, à qui je demande, lorsqu'il y a élection, de savoir faire les choix. Donc, il y aura les élections, parce que je ne pense pas que c'est fini avec les élections. Vous avez parlé de l'IDPS qui a perdu des élections en 2023. Je vous ai dit que nous allons perdre les élections. Donc, en 2023, nous irons aux élections. Je sais qu'avec tout ce qui s'est passé, c'est une bonne leçon pour notre population. Il ne va plus commettre des erreurs, de lire n'importe qui. Je sais qu'en 2023, notre population va faire un très bon choix au niveau des députés provinciaux et qui vont élire les gouverneurs. Et vous allez voir que les choses qui vont élire les bureaux de l'Assemblée provinciale, qui vont élire, vous allez voir que les choses vont marcher correctement. Donc la balle se trouve du côté de la population. L'espoir reste maintenu qu'en 2023, c'est dans quelques années, et nous aurons de bonnes élections qui seront libres, démocratiques et transparentes. La population va faire de très bons choix et ça va marcher. Donc ça, c'est vraiment une expérience que la population ne va pas oublier. C'est resté dans l'histoire de Bakongo, dans l'histoire du Congo central. Donc je sais que s'il y a élection, s'il y a un peuple qui va être regardant, qui va être exigeant, c'est le peuple né Congo cette fois-ci, avec tout ce que nous vivons comme aventure, tout ce que nous vivons comme déception. Comme, donc en 2023, je sais que notre population va faire un très bon choix et nous allons d'ailleurs cette fois-là avoir des bons dirigeants et la province va avancer, va rattraper tous les retards que nous sommes en train de connaître maintenant. Voilà, pour terminer, en quelques mots, pour vous, quel sera le résultat des consultations du chef de l'État? Nous allons former une union sacrée pour la nation qui va s'occuper du développement du Congo, qui va s'occuper du bien-être du peuple congolais, et les sourires vont revenir, tous les ennemis du peuple vont être mis hors d'état de nuire, ceux qui sont dans la vision du chef de l'État vont travailler avec le président Félix pour l'intérêt du pays. Voilà tout ce que nous poursuivons. Et nous disons ceci, maintenant là, le président est en train de prendre, quand nous parlons de consultation, nous cherchons à chercher dans tous les regroupements politiques quelles sont les personnes qui peuvent aider le président à réaliser son objectif, atteindre son objectif, à réaliser les promesses électorales qu'il avait faites à la population pendant la campagne. Donc c'est ça et les consultations. On ne veut pas aller jusqu'à dissoudre l'Assemblée nationale parce que ça ne va pas profiter à la République. Comme nous sommes pour la stabilité des institutions, on donne une dernière chance. Mais cette fois-ci, la dernière chance avec tout le monde. Oui, il n'y a plus de temps que nous sommes... En quelques mots, là vous commencez, on est vraiment à la fin. Et si vous étiez conseiller politique du gouverneur Atou, dans le cadre de la paix
dans la province. La cohésion provinciale, aujourd'hui, dans la situation actuelle de la province, quel conseil pourriez-vous lui prodiguer? Il doit suivre l'exemple du président Félix. Hein? Le président Félix Tshisekedi, il dit un grand cœur, hein? Il faut savoir pardonner. Vous voyez, le président Félix, pendant au moins 2 ans comme ça, nous avons travaillé avec les gens qui nous ont causé du tort pendant plus de 18 ans. Et vous voyez comment le président Félix a travaillé, il travaille avec ces gens-là. Il faut avoir ce cœur-là du président Félix si nous voulons que les choses avancent dans notre province. Donc l'exemple est là à côté. Donc parce que nous, il y a un professeur qui nous disait, quand il y a un problème, la solution se trouve toujours à côté. Donc pour le problème de quand je suis du conseil politique, la solution est à côté. Souviens, c'est mal l'exemple du président Félix, comment il travaille avec nos ennemis d'hier et ça marche quand même. Donc si j'étais son conseiller politique, en même temps, mais l'idée des dialogues qu'on avait lancé, c'est une très bonne idée qu'on ne doit pas l'abandonner. Il faut chercher par tous les moyens à réunir les Nekongo autour d'une table pour... Voilà la meilleure façon de conclure cette émission. Maintenir l'idée du dialogue malgré l'évolution de la situation politique actuelle dans la province du Congo central. C'est par là que nous mettons un terme de ce pouvoir convaincre que j'ai eu à animer avec l'UDPS, Nkodia Mbete. C'était un réel plaisir de vous retrouver sur un même plateau. Alors, la rediffusion demain, 6h30, vous aurez l'occasion de suivre encore cette émission. Et nous nous retrouvons jeudi prochain, fidèles au poste. Merci de nous avoir suivis. Merci, monsieur Nkodia. Je vous en prie, monsieur le journaliste Prince Nzao. C'est pour moi, comme je l'ai dit au début, un réel plaisir de me retrouver encore en face de vous pour cette émission Pouvoir Convaincre, une grande émission du Congo central, à un moment donné à Kinshasa, mais comme c'est une émission du Congo central, l'émission est revenue chez nous, donc nous sommes très contents. Je crois que depuis que l'émission a repris au Congo central, c'est la première fois que je participe, mais ce n'est pas la dernière fois, je pense. Vous allez continuer chaque fois qu'il y aura des matières que nous pouvons aborder ensemble. Nous reviendrons. Ce n'est pas la dernière fois et j'espère bien que vous avez pu convaincre. Nous reviendrons pour continuer à convaincre. C'est notre. Voilà. C'est la fin de cette émission. À la prochaine. Au revoir et merci de nous avoir suivis.